Merci de suivre Asla et nous, une émission des programmes de la RTA OPH. Chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Devant ce microphone, Senvich Poitiers, je ne suis pas seule. Je reçois donc sur ce plateau l'invité principal de cette émission, qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles. Bonsoir Madame la journaliste et bonsoir chers auditeurs, chers téléspectateurs, les bien-aimés. Vous savez, vos marques de reconnaissance nous touchent et continuent de nous toucher. J'ai l'habitude de le dire, si une seule personne trouve satisfaction dans ce que nous disons au nom de Dieu, pour nous c'est une victoire parce que le but évidemment c'est d'échanger pour faire à ce que nous soyons à l'écoute de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut de nous. Je sais que nous sommes dans un environnement très, très difficile ces derniers temps. Madame la journaliste, je me suis réveillé hier et je me suis rendu à la morgue pour assister un ami qui avait perdu son cadet. Et de là-bas, je suis allé au quartier Vungu pour les obsèques d'un ancien de notre association. Et j'ai quitté Vungu pour aller à l'opposé, pour aller prendre un frère que j'avais laissé là-bas pour les obsèques d'une autre sœur de notre association. Je suis revenu et après une petite pause, je suis allé à une veillée, la dernière, d'un ancien à nous, un ancien fond de troupe. Et avant de rentrer définitivement à la maison, j'ai fait escale à une veillée d'un voisin camerounais à deux maisons de la mienne et à une veillée aussi d'une maman, une voisine, la ruelle derrière notre ruelle. Donc, vous voyez, en une journée, les cas de décès qui nous ont poussés à aller à gauche et à droite. Ça, c'est des cas qui nous concernent. Mais je me suis dit qu'apparemment, aujourd'hui, beaucoup de familles sont éprouvées. Et donc, j'ai voulu, en saluant les téléspectateurs et les auditeurs, et dire aussi aux uns aux autres, surtout pour toutes les familles qui sont éprouvées ces derniers temps, de vraiment tout remettre entre les mains de Dieu. Parce que dans ces péripéties-là, il y a des femmes qui ont perdu leur époux, il y a des maris qui ont perdu leur femme, il y a des enfants qui ont perdu leurs enfants, il y a des familles qui ont perdu de soutien de famille. Et dans ces moments-là, souvent quand vous venez parler de Dieu à ces personnes, il faut avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, la petite voix peut vous dire, écoutez, pourquoi vous subissez tout ça? Pourquoi vous vivez tout ça? Donc, en vous saluant, mes bien-aimés, avant le partage de ce soir, que Dieu vous assiste et pour toutes les familles éprouvées. Vous savez, quand il y a un décès, c'est déjà un problème, c'est déjà une situation. Et les conseils que j'ai l'habitude de donner aux uns aux autres, c'est que quand nous avons un décès, c'est quelqu'un qui nous a précédés parce que c'est le chemin à nous tous. Donc, nul n'est besoin de se créer encore des problèmes, nul n'est besoin de se créer encore les divisions, dans la mesure où, quelle que soit la cause du décès, quelle que soit l'origine du décès, quand cela est fait, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Merci Papa Charles. Le thème d'Asla et nous de ce soir est les véritables raisons de notre présence à l'église. Les véritables raisons de notre présence à l'église. Avant d'aborder le thème de ce soir, nous allons poser des petites questions à Papa Charles. Les médias semblent s'enflammer encore sur le dossier Louzolo. Qu'est-ce qui se passe encore Papa Charles? Bon, ce n'est peut-être pas la tribune pour le dire, mais Madame la journaliste, et pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui nous connaissent, je crois qu'il est temps d'arrêter avec tout ça. Il est temps d'arrêter avec tout ce qui se passe. Parce que, très franchement, ça commence un peu à ne pas à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Vous savez, aujourd'hui, tout est simple, Madame la journaliste. Vous avez quelqu'un qui physiquement prouve son absence depuis une période donnée, et vous avez des gens qui se sont organisés pour faire croire aux autres qu'ils étaient restés en contact avec lui, des gens qui se sont mis
a imité sa signature, des gens qui se sont mis à engager des actions en son nom, alors qu'ils ont tous reconnu que depuis telle date, physiquement, la personne n'est plus en contact avec X et Y. Et ça, c'est connu de tout le monde. Il faut qu'on arrête cette comédie où on semble, parce qu'au moment où ces gens ont voulu faire, ont voulu donc opérer de cette façon, ils ont eu l'opposition des frères et des sœurs qui se sont dit que ce que vous êtes en train de faire est faux. Et ils ont prouvé que c'était faux. Et voilà que ce groupe s'est replié pour prendre des appuis, pour prendre des supports, pour prendre des connaissances. Ce groupe s'est mis à utiliser de l'argent pour essayer de transformer le mensonge qui était en eux en vérité. Et ça, on l'a prouvé partout. Même un enfant qui est au CP1, devant ce genre de support, comprend la vérité. Alors, il faut qu'on arrête de prendre les gens qui ont raison et de les traîner à gauche et à droite comme s'ils étaient des malpropres. Il faut qu'on arrête. Excusez-moi de prendre un peu ce temps parce que, vous savez, nous sommes des pères de famille. Nous avons des carrières. Dans nos carrières, nous n'avons jamais été punis. Nous n'avons jamais été sanctionnés. Nous avons des vies que les gens connaissent dans les quartiers. Nous avons des vies que les gens connaissent. Et que aujourd'hui, parce que vous êtes arrivés au milieu de la prière où il y a des gens qui sont en train de faire ce qu'ils veulent faire et qui veulent vous transformer en bandits, qui veulent vous transformer en je ne sais quoi. Et ils sont soutenus par des gens. Non. Il faut arrêter ça. Donc, quand vous parlez des médias qui ont repris, parce que il y a des frères et des sœurs qui sont aussi des citoyens, qui se sont dit, trop, c'est trop. Madame la journaliste, vous, tel que vous êtes là, vous pouvez pas vous lever et indexer un magistrat sans que rien ne vous soit fait. Alors, vous avez des preuves palpables de quelqu'un qui va donner des injonctions à un magistrat, et pas des moindres. Un président d'une cour d'appel. Une cour d'appel, c'est pas une petite juridiction. Et quelqu'un dit qu'il a donné des injonctions au président d'une cour d'appel et on ne fait absolument rien. Mais donc, ça a poussé. Ça, c'est pas Papa Charles qui est allé dans les médias. Mais il y a des frères, des sœurs, des associés qui sont conscients du fait qu'il y avait manipulation. Des associés qui sont allés dire non, trop, c'est trop. Maintenant, on assiste à quoi? Les gens vont sur les plateaux de télé. Ce soir, par exemple, il y a des gens qui passent à la télé quelque part. Et Papa Charles, ceci. Le problème n'est pas Papa Charles. Le problème, c'est ce faux-là que les gens ne veulent pas. Et les gens demandent à prier dans la quiétude, dans la tranquillité. Les gens demandent à ce que ceux qui manipulent, ceux qui soutiennent ces gens-là, arrêtent de les soutenir. C'est tout. Et donc, aujourd'hui, si on commence à aller de gauche à droite, le problème, c'est on a posé la question à ces gens-là de savoir, vous avez pris telle mesure, telle mesure, telle mesure, vous allez engager telle action, telle action, telle action, soit disant au nom du président fondateur. Donnez. Aujourd'hui, on ne discute pas ce qui a été fait. On discute la véracité du mandat. Qui vous a demandé de faire ce que vous êtes en train de faire? La question est là. Tout ce qui se passe là dans les médias, je vois des jeunes qui passent dans les médias, c'est du blablabla, c'est du tralala. Ça dit que ils veulent utiliser d'un genre de subterfuge pour jeter du discrédit sur Papa Charles, pour dire Papa Charles. Mais ils ne peuvent peut-être convaincre les gens qui ne connaissent pas le dossier. Mais pour les gens qui connaissent le dossier, c'est clair. Donc, vous voyez, dans les médias, c'est encore repris. C'est malheureux, mais il faut qu'on arrête. Vous savez, madame la journaliste, dans ce conflit-là, j'ai fini par comprendre que notre société avait besoin d'une thérapie. Que notre société avait besoin de guérir. Parce que, pour l'argent, il y a une destruction des valeurs même morales. Pour l'argent, là où s'écrit I, quelqu'un est capable de vous écrire O. C'est malheureux. Excusez-moi d'avoir élevé un peu le temps parce que, quand même, nous autres, qu'on trimballe à gauche, à droite, qu'on accuse de ce qu'on n'a pas fait, qu'on traite de ce qu'on n'est pas. À un moment donné, nous avons des familles, nous avons des enfants. Et aussi, nous sommes des gens qui prions. Il faut que tout ça s'arrête. Et c'est la décision que certains frères et sœurs ont pris. Et c'est pour ça que vous les voyez à gauche et à droite. Papa Charles, nous avons fait le feuilleton de tous les dossiers qui sont passés devant nous dans les médias. Mais nous avons remarqué que dans cette affaire, les gens s'acharnent sur vous. Pourquoi ? Mais même, ils savent pourquoi ils le font. Moi, aujourd'hui, si vous posez la question aux gens, la question de savoir pourquoi, vous verrez, les réponses ne seront pas claires. Il y aura une réponse aujourd'hui, il y aura une autre réponse demain. Après, on vous dira, il est magicien. Après, ça sera plus magicien, on dira, il est voleur. Après, ça sera plus voleur, on dira. Donc, on va tourner en rond. Et depuis 5 ans, on tourne en rond. Le problème n'est pas moi. Madame la journaliste, aujourd'hui, c'est pas moi qui tiens l'association. Il y a des jeunes, il y a des équipes qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler. Donc, même si aujourd'hui je n'existe plus, ça ne fera absolument rien. Donc, c'est une perte de temps. Mais je dis que
Ce qui est malheureux, madame la journaliste, et excusez-moi de le dire, mais les auditeurs, c'est-à-dire que puisque ces choses-là sont entendues par les auditeurs, des gens qui aiment Asla et nous, ils peuvent se poser la question de savoir, mais tout ce qu'on raconte de Papa Charles, ça peut avoir un incident ou une incidence sur ce que nous disons ici. Donc, c'est normal que on prenne un peu le temps de leur dire que, très franchement, moi, j'ai vécu beaucoup d'années, mais je n'ai jamais vu la haine telle qu'elle a été manifestée à mon encontre depuis un certain temps. Je n'ai jamais vu ce genre de haine dans tous les domaines. Madame la journaliste, vous voyez un petit exemple simple des problèmes de prière qui vont aller dans les empoisonnements, où les gens vont être contents du décès d'une autre personne, des gens qui prient, qui vont faire la fête parce que quelqu'un est décédé, parce qu'ils ne partagent pas leur avis, il n'est pas de leur côté, il est décédé, les gens font la fête. Et le pire, c'est quoi? Les gens qui prient vont, dans le cas de l'application d'une décision de justice, aller jusqu'à rentrer dans vos comptes. Donc, le président fondateur de l'association, puisque c'est le seul qui peut engager l'association, leur a dit, il faut aller me saisir les comptes. Pour ceux qui sont dans le Zolo, est-ce que tel esprit peut habiter un seul instant Guy Émile Loufoy, c'est quoi, madame la journaliste? Il y a des frères qui pouvaient dire, oh non, voilà, le frère Mikungi, ce sont ses comptes, même s'il y a telle décision, tout, ce sont ses comptes, on peut pas arriver là par l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui a ses enfants, il a des enfants à l'étranger, donc il se bat. Moi, je ne vis pas de l'association, hein. Bon, mais je veux pas rentrer, on va parler encore de culte de la personnalité. Je veux pas qu'on en arrive là. Mais il y a des choses quand même sales qui ont été faites qui démontrent que là, ce n'était plus Dieu. Là, c'était maintenant un problème de règlement de compte. C'était plus Dieu. Jusqu'à lui dire, saisissez ses comptes, saisissez ceci. Non, là, je crois qu'on avait atteint ce qu'il ne faut pas. Mais je suis heureux. Je suis heureux, pourquoi? Parce que je lisais la Bible. Je me disais que ce qui était écrit dans la Bible, ça concernait que les gens qui sont dans la Bible. Mais aujourd'hui, je me rends compte que quand on est avec Dieu, eh bien, nous aussi, nous sommes concernés par la même chose. Mais je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de rancune. Je n'ai pas d'esprit de vengeance. Il y a des gens qui m'ont parlé de la réconciliation aujourd'hui. Nous ne sommes pas un parti politique pour dire que nous nous sommes séparés. La seule réconciliation, c'est avec le maître. C'est avec la volonté de Guy Émile Loufoy, c'est quoi. Enfin, excusez-moi de m'être étendu parce que c'est un débat qui est dans la rue, c'est un débat qui est dans les quartiers. Et donc, dans les quartiers, dans la rue, il y a des gens qui suivent Asla et nous, qui peuvent se poser des questions. Mais comment? Il y en a des gens qui m'ont dit, mais papa Charles, on t'a insulté là, mais pourquoi tu n'as pas réagi? On a suivi ceci. Bon, écoutez, faut tout remettre entre les mains de Dieu. À entendre vos propos, Papa Charles, nous avons compris que vous avez passé des périodes très difficiles. Alors, ça nous suscite à vous poser cette question, votre morale à ce jour. Vous savez, quand Jésus est venu devant le corps de Lazare, il a pleuré, hein, parce que là, c'est la chair qui réagissait. Vous savez, moi, j'ai un problème et à élever les enfants parce que leur maman n'est plus de ce monde. Donc, ce qui est sûr, que tout ce qui est fait dans le sens de me déstabiliser, pose un peu un petit problème moral. Donc il y a des moments où on est un peu pris par la colère, des moments où on est pris aussi par comment dirais-je, la tristesse, hein, de constater qu'on ne peut pas avoir une vie libre, de constater qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, de constater qu'on peut pas aller manger là où on veut, on peut pas aller boire ce là où on veut parce que on évite ceci, parce qu'on a peur de cela. Ça peut avoir une incidence, mais vous savez, ça forme, hein, à la fin c'est une école, hein, c'est toute une école. Ben on est là, hein, on est là, madame la journaliste. On est là. Merci Papa Charles. D'entrée de jeu, il était important de connaître l'état d'âme de notre invité. Alors, Merveille Massie va nous permettre d'aborder le thème de ce soir. Je crois que pour quitter le monde spirituel pour la musique mondaine, n'était pas de ma propre volonté. C'est par rapport aux effets, par rapport à la réalité que j'ai fini par comprendre dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui se moquent peut-être de moi, qui se disent, quelqu'un qui était dans la spiritualité, qui a quitté Dieu pour les choses mondaines, donc c'est un païen, il est devenu païen. Alors moi, je me poserais la question, moi qui s'est intéressé de ma musique, qu'on appelle aujourd'hui mondaine, qu'on appelle païen aujourd'hui, et ceux-là qui sont en train d'emprisonner le peuple de Dieu dans le mensonge, dans les fausses prophéties, les miracles organisés, est-ce que eux, ils sont des dieux ou ils ne sont pas de Dieu? Prenons par exemple des prophéties qui se passent dans les médias. Par exemple, il y a ces prophéties qui se passent dans les médias. Moi, j'appelle ça des prophéties organisées. Comment organiser? Vous êtes à la télé, vous dites, bon, il y a
Dieu qui est en train de toucher un frère ou une sœur pour m'appeler, et ce frère aura tel et tel, souci, tel et tel problème. Alors, quelques minutes après, c'est le frère qui va appeler. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que ça se passe, c'est juste des prophéties organisées. Parce qu'il faut être clair dans ce monde. Il faut être clair, c'est des prophéties organisées. Par exemple, moi, je suis un prophète. Je passe à l'émission demain matin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais asseoir deux ou trois personnes dans mon quartier. Je leur demanderai peut-être de m'appeler demain pendant que je serai en direct à l'émission, moyennant une somme de 10 000, une somme de 5 000. Donc, je pouvais dire, bon, le frère, tu m'appelles demain, voilà le numéro que tu dois appeler. Voilà le numéro, voilà tes 10 000, voilà tes 5 000. Tu m'appelles demain et tu me passes tel et tel sujet que tu auras. Donc, tu peux me parler que tu as un mal au pied, tu peux me parler que tu as un problème au niveau de ton travail, tu as un problème financier. Et pendant que tu appelles, je me mettrai à te prophétiser. Il faut comprendre que Papa Charles, il y a les noms qu'on donne, les noms qu'on donne dans ces prophéties, c'est pas de véritables noms. Parce que je sais que c'est des éloges que je veux y avoir dans mon église. Donc, pendant que tu viennes, on s'entretient d'abord. Avant que tu rentres dans l'église, on est quelque part, je m'entretiens avec toi, et dès que tu rentres à l'église, je me mets à te prophétiser. Donc, Dieu me parle, ici il y a quelqu'un qui a un problème, Dieu m'a donné un nom, Tibinda Alain. Mais puisque il y a déjà eu l'entretien entre toi et moi, quand je dis Tibinda Alain, même si tu ne t'appelles pas Tibinda Alain, mais tu sais déjà que c'est de toi que je vais parler. Donc, Tibinda Alain, tu te lèves et tu parles. Donc, dans ces télés, dans ces prophéties télévisées, moi j'appelle ça des prophéties organisées. Et regardez comment est-ce qu'ils sont en train d'emprisonner le peuple de Dieu. Là où il y a la vérité, le peuple n'est pas. Là où il y a le mensonge, c'est là où se trouvent parfois beaucoup de gens. Donc, pendant que le monsieur appelle, moi je suis à la télé. Je reprends l'appel et je me mets à te prophétiser. Touche la télé, tu touches la télé, dis-moi qu'est-ce que tu as senti. Non, le colonel est bon ami, Natamboli, est-ce que tu en peux acclamer? Non, le Dieu de miracle. Ce n'est pas le Dieu de miracle, c'est une prophétie organisée. Alors quand j'ai essayé de regarder tout ça, Papa Charles, je me suis dit, de quoi bon continuer dans ce mensonge? Il est mieux de faire quelque chose de bien parce que Il y a une différence entre le don et la grâce. Moi, pratiquement, mon don particulier, le don que Dieu m'a donné, c'est chanter. Et quand Dieu m'a donné ce don de chanter, il ne m'a pas dit, le don que tu as, tu dois uniquement chanter pour moi. C'est un don qu'il m'a donné, donc peu importe ce que je peux faire avec mon don, c'est mon don à moi. L'essentiel que je respecte mon Dieu, je respecte le 10 commandements, ne pas faire du mal à quelqu'un. Voilà, donc dans ces choses, c'est la première des choses au moins, la prophétie organisée. Merci la régie pour cet insert. Alors Papa Charles, dans la bande-annonce, vous faites état des témoignages qui vous a conduit à débattre le thème de ce soir. Pouvez-vous revenir là-dessus? Bon, vous venez de suivre hein, vous-même l'insert que la régie venait de nous proposer. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, Papa Charles, comment et tout. Vous avez, ça c'est, nous ne sommes pas allés vers la personne qui venait de s'exprimer. Bien sûr. Hein, c'est une personne qui nous a contacté parce que elle évolue dans le cadre de la musique mondaine et c'est dans en décortiquant un peu les raisons qui l'ont conduit à la musique mondaine que nous sommes tombés sur ça. Mais vous savez, Madame la journaliste, ce qui a retenu mon attention et qui a fait que nous arrivions à ce thème, c'est que quand même en une semaine, il ne peut pas voir, on peut pas appeler ça une coïncidence ou un hasard, parce que quand Dieu veut faire passer un message, Dieu a ses méthodes. Je reçois d'abord ce magicien. Si aujourd'hui, nous ne présentons pas son témoignage, parce qu'il est très connu dans la ville de Pointe-Noire, et en fait, le deal avec lui, c'était que vraiment que son identité soit gardée. Donc, même en visage crypté, il n'a pas voulu, parce qu'il dit qu'il a encore une carrière devant lui, ça c'est lui qui le dit, parce que c'est Dieu qui gère nos carrières, mais devant témoin, nous l'avons reçu. Nous avons au moins, sur clé USB, nous avons l'audio. C'est quelqu'un qui est connu, donc c'est un témoignage qui est crédible. Celui que vous venez de voir, c'est parce qu'il a accepté d'être devant, parce qu'il a accepté non pas pour régler des comptes à X ou Y, mais il a accepté parce qu'il veut quand même que les gens soient conscients de quelque chose. Donc, en une semaine, on a d'abord ce magicien qui arrive.
et qui nous dit qu'il travaille les séances d'un homme de Dieu, entre guillemets, et il travaille en donnant ceci, en favorisant cela, mais depuis un temps, le paiement ne se fait plus comme convenu. Et voilà, donc il a menacé cet homme de Dieu de venir voir Papa Charles. Je ne suis pas Dieu, mais c'est tellement que, parce qu'on a ce plateau de Asla et nous. Mais madame la journaliste m'a dit des choses graves. Mais c'est des choses que je connaissais. Je vous ai dit, quand j'étais en Afrique de l'Ouest, nous avons à Ouida rencontré un maître Vodoum qui nous a donné des noms des hommes de Dieu qui vont là-bas pour rechercher des clés, la gloire et tout. Et lui, il nous a dit comment il travaille les séances, comment il travaille les cultes, le magicien là. Et comment cet homme de Dieu est assidu chez lui. C'était triste à écouter et à la fois revoltant aussi. Il y a eu après une jeune demoiselle qui, elle, est l'épouse d'un homme de Dieu. Bon, là j'ai eu un peu d'hésitation. Parce que, vous savez, quand on rend un témoignage, il peut arriver qu'on le rende de façon objective, mais dans le cadre d'un époux ou d'une épouse, faut toujours prendre en compte le côté sentimental, savoir si l'épouse ne rend pas témoignage pour régler un compte au mari, et si, mais nous l'avons aussi enregistré. Et elle aussi, elle nous explique comment les gens s'organisent, comment on présente le faux, comment on organise le faux. Mais je crois que le jeune homme qui venait de passer tout à l'heure, ce qu'il a dit, c'est pratiquement les mêmes choses que cette dame est venue dire. Bon, comme nous ne maîtrisons pas la situation actuelle de cette dame par rapport à son époux, nous n'avons pas trop voulu nous avancer là-dessus, parce que une déception sentimentale peut conduire à dire un certain nombre de choses. Et en matière de communication, nous prenons ces précautions. Mais il se trouve que en dehors de ces deux-là, il y a eu donc ce jeune homme qui lui aussi s'est présenté à nous. Et nous avons eu la peine, nous avons pris la peine de vérifier, d'essayer de regarder, d'enquêter. Et c'est les mêmes témoignages qui reviennent. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, ben, il faudrait quand même qu'on en parle. Comme vous avez suivi dans le témoignage, il a dit, il ne s'agit pas de tous les hommes de Dieu qui se comportent comme ça. Il ne s'agit pas de tous les hommes de Dieu qui font comme ça. Mais il faut dénoncer ce qui est à dénoncer. Donc voilà. Les témoignages, nous avons trouvé que c'était pas une coïncidence, c'était pas un hasard. Dieu voulait par là faire passer un message, et c'est le message que nous passons ce soir. Quelles sont, selon vous, les raisons concrètes qui doivent motiver notre présence à l'église et dans les lieux de prière? Écoutez, moi, je pars pour répondre à cette question du bel exemple des Actes des Apôtres que j'ai l'habitude de prendre, qu'il arrive après l'effusion du Saint-Esprit. Les disciples sont nantis donc de la force de Dieu pour aller répandre la bonne nouvelle. Et pour répandre la bonne nouvelle, vous voyez déjà, la société primitive, la société à l'époque, vous voyez qu'elle n'était pas aussi, il n'était pas dans un cadre industriel comme aujourd'hui, dans un cadre avancé. Mais le fait que les gens vivaient en communauté et que dans ces communautés, il y a chacun avait son occupation et tout. Donc, il fallait aussi organiser les frères et les sœurs par rapport à ces communautés pour s'adapter, pour se mouvoir et pour aller annoncer la parole de Dieu. Donc, en fait, les gens auraient pu être là où ils étaient. Mais comme il y avait cette nécessité d'aller répandre la bonne nouvelle, donc il fallait s'organiser. Et cette organisation a conduit les disciples à être ensemble. Cette organisation les a conduits à mettre une certaine méthodologie qui pouvait les permettre de d'asseoir donc la politique recommandée par le Christ. Et vous avez vu que quand les disciples désignent, par exemple, Étienne pour s'occuper de certains problèmes administratifs domestiques, pour que eux à leur tour, puissent s'occuper de ce qui était spirituel, quand vous voyez les différents voyages de l'apôtre Paul, vous comprenez la nécessité d'être ensemble. Et quand vous comprenez surtout la vocation de vie communautaire, d'être ensemble, de partager, vous comprenez par là aussi que le fait d'aller à l'église, d'aller dans les lieux de prière, premièrement, c'est donc répondre à cet appel de Dieu, d'être dans une organisation pour aller répondre la parole de Dieu. Et en étant dans cette organisation, c'est de mettre tout le monde dans les conditions de vie qui font que il y ait, parce qu'aujourd'hui, ventre affamé n'a point d'oreille, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a faim d'aller faire un travail. C'est le grand combat que nous avons même à l'Ouzolo. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je dis que dans l'Ouzolo, tant qu'on aura des pauvres, tant qu'on aura des démunis, on n'a pas encore atteint
ce que Dieu veut de nous. Donc moi je pense donc pour aller, qu'on va à l'église, qu'on va dans les lieux de prière pour faire la volonté de Dieu, mettre en commun l'énergie, l'effort, les moyens pour faire cette volonté et mettre en commun aussi les moyens pour que nous puissions être au courant de la situation des uns et des autres et remédier aux faiblesses des uns, remédier aux souffrances des autres de par le fait d'être ensemble. Selon vous, la première église date de quand, Papa Charles? Bon, je ne saurais dire de quand date cette église, mais je me dis que si on peut parler en termes d'église, c'est parler à partir de cet instant où les disciples décident de mettre tout en commun, de mettre tout ensemble et d'en faire une répartition selon les besoins des uns et des autres. Donc, quand la vie communautaire arrive à ce moment, parce que l'église, c'est un mot, mais parlons plutôt de vie communautaire, parce que l'église, c'est quoi? C'est être ensemble. C'est mettre ensemble, c'est faire ensemble, c'est aller ensemble. Donc, c'est ça qu'on appelle l'Église. Bien qu'aujourd'hui, de par les dénominations, nous avons mis des frontières, nous avons comme barricadé cette notion d'Église. Évidemment. Alors, Papa Charles, est-ce une obligation pour être en intimité avec Dieu de fréquenter les églises, les lieux de prière? Bon, la Bible nous donne l'exemple de Corneille. Corneille aimait Dieu, Corneille faisait ce que Dieu voulait. Mais à l'époque, Corneille n'est pas en contact avec les disciples et avec les autres. Est-ce que sans aller à l'église, sans aller dans les lieux de prière, on peut être en intimité avec Dieu? L'intimité de Dieu, on dit, notre cœur est le temple de Dieu. Notre cœur est le temple de Dieu. Et quand à l'origine, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il dit, créons l'homme, l'homme en tant qu'entité. Ce qui revient à dire que on peut ne pas aller à l'église et vivre une intimité avec Dieu. Or, quelque part, Dieu nous dit que on ne le voit pas, mais on le voit à travers le prochain. Donc, il y a la nécessité pour servir Dieu aussi d'être avec le prochain. Est-ce que vous comprenez la donne? Mais vous êtes chez vous, comme disait Pascal, un savant, une simple idée faite vers Dieu et vous avez Dieu avec vous. C'est ça même le danger qui fait que quand vous allez à l'église et que vous oubliez qu'au départ, il y a une intimité entre vous et Dieu et que vous ouvrez cette intimité pour mettre d'autres personnes qui n'étaient pas dans votre intimité avec Dieu, c'est là où vous pouvez faire de l'église un danger. Parce que l'église peut vous faire perdre l'intimité avec Dieu parce que vous ne suivez plus Dieu, mais vous suivez les comportements des gens. Vous suivez les dires des gens. Vous suivez le mouvement de l'environnement. Et quand vous êtes dans ces conditions-là, des fois, le vrai Dieu n'existe plus dans votre cœur parce que vous allez vous préoccuper de ce que vous allez porter parce que vous voulez que ceux qui vont vous voir à l'église vous voient dans les belles tenues, parce que vous allez chercher un poste parce que vous voulez occuper un poste au niveau de l'église parce que vous pensez que pour servir Dieu, il faut occuper un poste. Donc, vous allez être dans des préoccupations qui seront différentes des préoccupations qui devraient vous laisser en intimité avec Dieu. Et c'est là le danger. Mais, combiner les deux, c'est ce qui fait la volonté de Dieu. Vivre l'intimité avec Dieu en sachant que le salut est individuel. Parce que vous avez beau être à l'église, mais le jour où vous serez devant Dieu, vous ne serez pas jugé avec toute l'église. Hein. Si vous êtes dans une chorale, vous ne serez pas jugé avec la chorale pour dire que Dieu, si je n'avais pas fait ceci, c'est parce que la chorale m'en va empêcher. Donc, si vous avez à l'esprit le fait que le salut est individuel, si vous avez à l'esprit le fait que il faut aller propager la bonne nouvelle. Si vous avez à l'esprit le fait qu'on ne voit pas Dieu, mais on le voit à travers le prochain, vous combinez les deux, vous savez que Dieu est avec vous, votre cœur est le temple de Dieu, et que pour servir Dieu, il faut aller au contact des autres. Et pour être au contact des autres, il faut bénéficier de cette force qui est donnée par la vie communautaire, donc au niveau de l'église, donc au niveau des lieux de prière. Quels sont les avantages de la fréquentation des églises, des lieux de prière? Nous pouvons, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons manquer à certains devoirs vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons aussi être égarés de par rapport à une conception. Et souvent, quand nous allons à l'église, Dieu inspire ceux qui exhortent. Dieu inspire ceux qui sensibilisent. Pas seulement, Dieu peut inspirer votre voisin de la chorale. Dieu peut inspirer votre voisine du protocole. Donc, Dieu peut utiliser l'autre pour nous redresser. Quand nous sommes dans un cadre où nous nous sommes écartés de la volonté de Dieu. Il est dit aussi que la participation aux assemblées spirituelles, c'est comme un feu de bois qu'il faut à chaque fois attiser pour garder la flamme. Et on attise comment?
c'est en étant dans cette vie de prière. La vie de prière, c'est quoi? C'est une vie qui nous fait dire que dans cette chaleur-là, nous sommes un peu à l'abri du mal, à l'abri du péché, parce que nous sommes dans un mouvement qui nous met comme dans une protection et qui nous met à l'abri d'un certain nombre de choses qui pouvaient nous écarter de la volonté de Dieu. Donc, en termes d'avantages, c'est un peu ça. On peut être encadré, on peut être redressé et on peut manifester notre amour vis-à-vis des autres. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons nos familles biologiques qui peuvent nous abandonner, nos familles biologiques qui peuvent nous lâcher. Mais il y a l'assurance, quand nous fréquentons les lieux de prière, les églises, d'avoir une famille qui ne va jamais nous abandonner. Combien de gens sont décédés aujourd'hui qui ont été abandonnés par leur famille et c'est l'église qui est venue au secours. C'est vrai que vous direz aussi que dans la vie de tous les jours, il y a les mutuelles qui jouent les mêmes rôles. Mais les mutuelles les jouent dans un cadre donné, dans un intérêt qui est différent de l'intérêt que vous et nous, l'intérêt auquel vous et nous, nous pouvons prétendre en fréquentant les églises et en fréquentant les lieux de prière. Nous avons parlé des avantages, Papa Charles. Parlez-nous un peu des inconvénients. Les inconvénients, c'est si nous allons à l'église, là j'ai à l'esprit un ouvrage écrit par Guillaume Lufa Sitkwabo, Les méchants n'ont jamais de paix véritable. Où il dit quelque part, que vous reste-t-il après avoir tout parcouru et de vous être oublié? Que vous reste-t-il après avoir tout parcouru et de vous être oublié. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que si l'Église ne reflète pas la volonté de Dieu, vous risquez d'être pris dans un mouvement, dans un genre d'enthousiasme qui vous feront croire que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, mais en fait, vous n'êtes pas en train de faire la volonté. Nous avons développé ce thème ici une fois sur l'esprit de groupe. Donc, si l'esprit de groupe n'a pas la sensibilité de Dieu, si l'esprit de groupe n'a pas pour objectif de vous conduire à faire la volonté de Dieu, alors vous allez être dans une église qui n'a pas vraiment comme objectif faire la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment, ce que vous aviez, vous, de conviction vis-à-vis de Dieu, ce que vous aviez, vous, de certitude vis-à-vis de Dieu, va être donc détruit par l'esprit de groupe qu'on va forger au niveau de l'église et vous serez pris dans un élan. Vous serez pris dans certaines choses qui ne répondront plus à la volonté de Dieu. Donc, comme disait mon ami, je ne l'ai plus vu depuis un certain nombre de jours, de moi-même, hein, et je lance un appel s'il y a des gens qui ont de ces nouvelles, parce que moi, je ne les ai plus. Pardonnez-moi de lancer cet appel aux auditeurs, aux téléspectateurs. Vous avez le numéro WhatsApp. Si vous avez les nouvelles du fou de Branham, hein, parce que c'est un ami avec qui on échangeait, on se voyait, mais je les vois plus dans la circulation, j'ai plus de ces nouvelles. Et lui, il était un fervent, il était un opposant à l'église comme telle. Il se disait l'église transforme dans le mauvais sens, l'église détruit même l'intimité avec Dieu. Et lui, il était de ceux qui pensaient que l'église était soi-même, l'église était le cœur des uns et des autres. Vous êtes en direct de votre émission « Asla et nous » qui a pour thème les véritables raisons de notre présence à l'Église. Les véritables raisons de notre présence à l'Église. Un thème que nous sommes en train de développer avec notre invité qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Alors Papa Charles, les dirigeants des Églises, les fidèles de nos jours, pouvez-vous identifier les véritables raisons qui les conduisent à l'Église? Ah, vous avez, donc par catégorie alors. Oui. Bon, prenons les dirigeants que nous sommes. Bon, j'aime pas trop être. Non, je taquine pas les dirigeants. J'aime pas être trop dirigeant aussi, hein. Parce que c'est ça aussi, ça peut être un inconvénient. Oui. Vous savez, être dirigeant et ne pas comprendre ce qu'on attend de vous, ça peut accumuler des charbons ardents sur votre tête, hein. Et le jour du jugement, non. Moi, le plus vite je ne suis plus dirigeant, le mieux je me sentirai. Donc, parlons des dirigeants. Il y a la vocation. Il y a la vocation. Il y a des gens qui ont véritablement reçu la vocation. Il y a des gens qui ont reçu la mission. On leur a dit, allez faire ceci, allez évangéliser, allez faire. J'en connais. Même à Pointe-Noire ici, j'en connais. C'est pour cela que même dans le témoignage que nous venons de suivre, nous avons dit que les phénomènes qui sont décrits ici ne concernent pas tout le monde. Il y a des vocations. Donc voilà, la vocation a conduit la personne à ouvrir une église et tout. Il y a la mission pour des gens comme nous. Parce que l'église ne nous appartient pas. L'association ne nous appartient pas. Donc nous avons reçu mission du propriétaire de la mission, de faire ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est pour les dirigeants. Et il y a des escrocs.
des gens qui ont trouvé qu'on peut faire de Dieu un fonds de commerce. Maintenant, dans les trois catégories, dans la vocation, vous avez des gens qui vont recevoir la vocation, l'onction de Dieu et qui vont continuer dans ce travail. Et là aussi, il y aura deux chemins. Il y a des gens qui vont persister à faire la volonté de Dieu, mais il y a des gens qui, au vu des miracles, au vu de ce qu'ils vont faire, vont se dire « Ah, donc ce n'est plus Dieu qui fait, c'est moi qui suis en train de faire. » Donc, ils vont oublier la vocation de Dieu et ils vont se mettre. Pourtant, au départ, la vocation était vraie. Au départ, l'onction était là. Mais après, les épaules ont pris la place. Deux catégories. Il y a pour nous aussi ceux qui reçoivent la mission. Tant qu'on est conscient que la mission appartient au propriétaire de la mission, qu'est-ce qu'on fait? On persiste à ne faire que la volonté de celui qui nous a donné la mission. L'autre côté, c'est qu'on peut se dire, bah, mais lui, pour qui il se prend? On commence à faire le contraire de ce qu'il a dit. Et quand le propriétaire de la mission dit, mais c'est pas ce que je t'avais demandé de faire, on s'entête, on crée la rébellion et on crée ceci. Vous voyez, non, comment? Bien entendu. On décortique. Et troisièmement, l'escroquerie. L'escroc, lui, c'est même le plus malin. Parce que lui cherchera à être plus loin que les autres. Il aura l'apparence. Parce que l'escroc, lui, va travailler surtout l'apparence. Parce que c'est par l'apparence qu'on doit savoir, entre guillemets, qu'il est avec Dieu. C'est comme le fils légitime et le fils adoptif. Vous savez, il y a des fils adoptifs hein, qui veulent être plus que le fils lui-même. Il y a un pays en Afrique ici où il y a des Congolais qui sont partis, ils ont acquis la nationalité de ce pays-là. Et, par exemple, dans certaines professions, ils veulent se montrer plus citoyens que les vrais citoyens de ce pays-là. Donc, il y a des raisons comme ça. Quand vous avez la vocation noble, l'onction noble, vous faites le travail de Dieu. Et souvent, ce sont des gens qui sont attaqués. Parce que Satan n'attaque pas là où il a déjà acquis. Satan n'attaque pas là où il a déjà gagné. C'est ces gens-là qui vont attaquer. Vous voyez, quand les gens crient, il y a des scandales sexuels à gauche et à droite. Il y a des scandales sexuels qui sont voulus dans le cadre de l'escroquerie. Mais il y a des scandales sexuels qui touchent des gens qui ont l'onction de Dieu, mais qui n'ont pas pu tenir parce que le diable les a secoués et ils sont tombés là. Donc, et vous avez des gens qui ont l'onction au départ, mais qui ont fini par perdre parce qu'ils ont oublié que l'onction, il avait de Dieu. Et que les miracles qu'ils faisaient, ils faisaient au nom de Dieu. C'est Dieu qui les faisait à travers eux, qu'ils étaient que des canaux. Et ils ont pris la place de Dieu. Et vous avez les escrocs. Ça, c'est les dirigeants. Maintenant, les adeptes. J'aime pas trop les mots adeptes, parce que adepte, ça fait un peu magie, ça fait un peu... Les fidèles. Bon, le mot fidèle aussi, j'aime pas trop. Les créatures de Dieu. Parlons des créatures de Dieu, pour être simple. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Vous savez aussi, on a schématisé les choses. Homme de Dieu, on appelle les gens homme de Dieu. C'est ça aussi. Les titres-là peuvent nous amener à nous écarter un peu de la véritable volonté de Dieu. Bon, pour les créatures de Dieu. Mais nous savons que nous sommes créatures de Dieu. Et nous sommes venus sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Et donc, il y a par la grâce de Dieu, ceux qui reviennent à la bergerie un peu plus tôt que les autres. Dieu touche votre cœur. Et vous savez que sans Dieu dans votre vie, vous n'êtes rien. Il y a des gens, c'est vrai aujourd'hui, à différentes raisons qui ont conduit les gens à connaître Dieu. La maladie, la galère, les problèmes, les difficultés. Mais ce sont simplement des petites méthodes pour Dieu pour nous ramener à la bergerie parce que nous tous, nous venons de Dieu. C'est quand nous arrivons sur cette terre, il y a un éminent frère de notre association qui a composé une chanson, Tchele Kanzambi, Ngefisa Kamuna Toto, Samunakusala Kisaluange. Mais Tangumu Kumaka na Toto, Mikembo Yainza, m'avait. Donc, voyez, donc, nous venons sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Mais quand nous arrivons sur cette terre, ce sont les Mikembo, c'est-à-dire les plaisirs, les passions, les désirs de ce monde qui nous font détourner. C'est pour ça, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus dit, Père, je ne suis plus de ce monde, mais eux, ils sont encore dans ce monde. Délivre-les du mal. Donc, ils arrivent et on sait que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Mais il y a aussi parmi nous des gens qui arrivent à Dieu pour d'autres raisons. Parce que papa et maman prient. Les enfants nous suivent à la prière. Et si il n'y a aucune connexion,
Vous allez voir des enfants qui seront tout le temps à la prière, mais qui ne viennent pas pour chercher Dieu. Et c'est ce qui crée même dans les milieux de jeunes, dans les églises, des comportements qui ne sont pas des comportements de Dieu. Parce que les enfants vont commencer à développer le copinage et tout ça, tout ça. Et vous verrez que ces enfants ne vont jamais manquer l'église. Mais en fait, ils viennent pas pour chercher Dieu, mais parce que Carole sera là, parce que Claire sera là. Et vous avez avec aujourd'hui l'heure de l'Internet, vous allez voir tout le monde à l'église en train de s'envoyer des textos. Tu as vu la tête du pasteur, là? On dirait qu'il ne s'est pas coiffé depuis une semaine. Un texte, lol. Oh, MDR. Bon, à la fin, on se voit où? Oh, pourquoi à la fin? À la fin, papa sera là. Il va bien nous dire d'être pressé dans la voiture. Donc, essaye, je vais faire semblant d'aller pisser. Donc, vous allez les voir, ils sont présents. Parfois, ils chantent, ils dorment. Mais ils ne sont pas. Ils sont, surtout avec les textos, là, ça, ils ne sont pas avec vous. Les WhatsApp, les Instagram, c'est pas tout ça. Instakilogramme. Et donc, vous avez des enfants qu'on amène. Si nous, les parents, on n'est pas conscients de ça, nous risquons d'amener pendant des années, des enfants à la prière, mais qui ne sont pas acquis à la prière. Vous allez avoir le monsieur qui vient d'épouser une femme. Il dit à la femme, il faut que tu pries là où je prie. La femme, pour ne pas perdre le foyer, va suivre le mari. Mais elle n'a rien à voir à la prière. Elle, c'est pas un respect de son mari, parce que son Dieu, c'est son mari. Donc, elle va aller à la prière. Elle se moque de tout ce que vous dites, parce que elle, son problème, c'est être là où son mari veut. Vous allez avoir aussi des femmes, le mari n'a pas obligé, mais la femme dit, si je laisse mon mari aller seul à l'église, il faut que j'aille là-bas quand même pour savoir ce qu'il fait. Parce que le mari peut rentrer et dire, bah, j'étais à un quilombo, ah, non, mais j'étais à une intervention, ah, non. La femme va aller prier seulement pour avoir les mouvements du mari. Je connais des amis qui ne priaient pas, qui avaient juré ne pas connaître Jésus, mais quand ils ont fait la connaissance de certaines demoiselles, les demoiselles ont dit, non, si toi tu veux être bien avec moi, faut venir prier. Donc le gars vient à la prière. J'en ai même vu un au dombage. J'étais même surpris. Je me suis dit que les poules avaient certainement eu des dents et les coques. Parce que lui, c'est quelqu'un qui était totalement opposé à la prière. Mais il a fait connaître la fille. Il a dit, si toi tu viens pas prier. Donc lui, il n'est pas venu pour prier. Mais il est venu pour la demoiselle. Ah, si vous êtes venu à l'église à Beto, vraiment, okay. Ah, tu vois, le gars, il est là. J'en ai vu un à Dolizy tomber, mais même la façon qu'il tombait, je me suis dit, mais lui-là, c'est comme s'il était rentré à l'Ozolo, même avant nous, 40 ans avant nous, mais parce que la demoiselle. Donc, on peut multiplier des raisons. Ce qui est bien, c'est que si ces raisons pouvaient conduire à une prise de conscience, c'est-à-dire, c'est vrai, ils sont rentrés par des raisons qui ne sont pas catholiques, entre guillemets, mais au moins qu'arrivés là, ils ont senti la présence de Dieu. Il y a des rares transformations comme ça. Quelqu'un qui rentre pour une raison qui n'est pas une raison de Dieu, mais qui arrive quand même, qui est frappé par le message, qui est frappé par ce qui est dit, et dit, ah, mais vraiment, j'étais venu, c'est vrai, j'ai suivi quelqu'un, mais moi, j'ai vu dans les quartiers, on a une veillée, quelqu'un qui s'accroche, et après, il dit, ah, moi, la prédication qui a été faite là, ça m'a touché. Moi, je voyais l'Ozolo de loin, je rentre. Il y a des gens qui rentrent comme ça. L'église est dans son quartier, il a écouté une bonne prédication, il y a aussi les comportements. Dans ton quartier, tu étais devant un bagarreur, le gars, il connaît Dieu. Il ne se bat plus, tu dis, ah, moi aussi, peut-être que ma colère, là, si je vais là-bas, ça va. L'exemple. Donc, voyez les différentes raisons. Mais la raison principale, à la fin, c'est se retrouver le bien d'un côté, le mal. Parce que le mal est toujours là, en train de suivre le bien. Donc, à l'église, vous aurez le bien et vous aurez le mal. Guémi, le fois, dans le Zolo, dit, na katia baba na yanzambi, Satan peut me tout le baba na yayandi. Alors, papa Charles, un mot sur les vocations. Il y a des vocations où la conscience vous dit que c'est vraiment la vocation. Moi, une vocation que je ne doute pas sur cette vocation-là, j'ai jamais eu de doute sur ça, quand j'ai faim. Quand j'ai faim, mon organisme me dit que tu as faim. Et là, je ne doute pas parce que je sens, vous allez rire, mais je prends cet exemple, je vais dire pourquoi. Quand j'ai faim, je sais que j'ai la vocation de manger et je le sens en moi. Je me dis que quand vous avez la vocation de Dieu aussi, cela doit habiter et votre esprit et votre corps. C'est-à-dire, vous devez être éprouvé. Et la vocation de Dieu se matérialise par des actes. Il y a des signes. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas prétendre parler au nom de Dieu s'il n'y a pas des signes évidents. Pas des signes fabriqués comme ce qu'on venait de nous dire tout à l'heure. Parce que quelqu'un qui a une vocation, il n'a pas besoin de fabriquer des miracles. Bien sûr. Il n'a pas besoin de prophéties fabriquées. Il n'a pas besoin de... Écoutez, madame, moi je vais appeler les gens pour dire, écoutez, au dombage, quand je vais parler,
Toi, tu sors là, je me dis, bon, il y a quelqu'un là, bientôt son pantalon va être déchiré. Je vais te demander, déchire déjà ton pantalon un peu. Comme ça, dès que je vais dire, il y a quelqu'un ici qui a un pantalon déchiré, toi, tu vas lever le pied et puis le pantalon va se déchirer. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce que, au moins, nous, on a vu quelqu'un mourir, revenir à la vie parce qu'on a demandé, on a fait appel à Dieu. On a vu de ces miracles. On a vu quelqu'un tirer sur une autre personne et les balles tombent à terre. Parce qu'il a dit, au nom de Dieu, aucune balle m'atteint. On a vu ça. Donc, vous pensez qu'on a besoin de fabriquer. Donc, la vocation, la véritable, elle tient de Dieu. Et on sait quand est-ce qu'on doit s'accrocher à cette vocation parce que dans la jalousie de Dieu par rapport à nous, chaque fois que nous allons vers le mal, Dieu nous rappelle à ce qui est bien. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des vocations. Mais je suis désolé quand aujourd'hui je vois le nombre de scandales qui secouent les églises. Quand je vois... j'ai vu à la télé une sœur de 83, sœur catholique de 83 ans, qui dit que tout le temps qu'elle est restée à l'église, elle a été violée, martyrisée. Mais j'ai eu pitié de la soutane. Je vous dis, j'ai eu pitié de la soutane. J'ai dit, est-ce que on doit considérer des gens par rapport à la soutane? Est-ce qu'on doit considérer des gens par rapport à la marinière que nous portons? Est-ce que c'est cette marinière-là qui fait de nous? Parce que même pour nous, quand nous portons cette marinière, on se dit, on est avec Dieu. On se dit, on prend les drapés. Nous, on a les drapés dans nos oreilles. On met au portail. On met sur les fenêtres. Mais si on est mauvais, les drapés qu'on peut mettre aux fenêtres ne feront absolument rien. Au contraire, là, on réduit Dieu même à un féticheur. On prend Dieu pour un féticheur. C'est le cœur. Donc, il y a des véritables vocations. Moi, j'ai discuté avec des hommes de Dieu. J'ai lu un peu la vocation de Simon Kimbangu. Moi, j'aime Simon Kimbangu. Madame la journaliste, j'ai lu, j'ai des ouvrages sur Simon Kimbangu. Et je suis émerveillé, simplement émerveillé. Et je me suis dit, mais en fait... Quand les Blancs sont venus, ils ont découvert la réalité de la spiritualité chez nous. Ils ont découvert en fait qu'on était des spirituels, qu'on connaissait Dieu. Et qu'on connaissait Dieu mieux qu'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu étouffer tous ces gens qui sont... Qu'est-ce qui plaît à ceux qui ont étouffé la vérité de Simon Kimbangu? Qu'est-ce qui plaît à ceux qui ont étouffé la vérité de Kimpavita? Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui à ceux qui étouffent la vérité de Guy Milfa Sitkwabo? C'est... Et ils veulent avoir une église formelle, c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus de la volonté des maîtres, qui ne parle plus de ce que les maîtres veulent. C'est-à-dire que c'est une église où on boit, on mange, on évolue, on parle plus de ce que un tel avait dit, ne parlez plus de ça, la lumière, à Karim, laissez tomber tout ça. Kimpavita qui a dit, Jésus était noir, laissez tout ça. C'est ce que nous, on a aidé le colon à en arriver là, que on devient des trucs nominatifs, église de temps, mais la volonté, la véritable volonté, le patron n'est plus. Donc, il y a des vocations, mais il faut être convaincu que ce sont des vocations de Dieu. Maintenant, il y a des vocations du ventre. Il y a des vocations du ventre. Parce que demande à un enfant aujourd'hui, demain, tu souhaites être qui? Il va te dire ou douanier ou pasteur. À l'époque, il pouvait dire qu'il veut être pasteur. Pensez-vous que la société de nos jours a pris l'Église en otage? Comment ne pas dire que la société, comment ne pas l'accepter que la société... Tout ce qui est mauvais dans la société, on a amené ça au niveau de... De l'église, n'est-ce pas? Bien sûr. Aujourd'hui, on porte même des tenues non-sens, c'est-à-dire des tenues que même la société rejette. On amène ça au niveau de l'église, non? C'est pas ça? Même les danses. Nous, on a le dombage, non? Mais vous pensez que le dombage, là, les gens ont gardé l'uniformité du dombage? Il y a des moments où vous assistez à des danses au dom. Moi, j'aime parler de charité bien ordonnée. Comment on se fait? Non, j'attaque les églises des Belges, tout ça. Non. Moi, charité bien ordonnée commence par... Voilà. Vous allez voir des gens au dombage qui ont transformé les danses des VIP qui ont amené ça au niveau des dombages. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la différence entre la société et l'église. L'église, c'est seulement parce qu'on voit bon le temple. Hein, on voit la section. Mais les gens, ils sont dedans. C'est des mondains. Excusez, je ne juge pas. Mais nous avons des comportements, moi y compris. Nous avons des comportements des mondains. Et c'est, on a pris l'église, la société a pris l'église en otage. Toutes les bévues de la société, on retrouve à l'église. Le vol, on retrouve à l'église. L'adultère, on retrouve à l'église. La fornication à l'église. La débauche à l'église. Le tribalisme à l'église. Comment ne pas dire? Pensez-vous que nous avons tous du mal à mettre une frontière entre nos traditions, nos cultures et la chose de Dieu? Mais tant qu'on se dit que ce que le futur donne, c'est mieux. Aujourd'hui même, il y a des gens qui vont te sensibiliser pour dire non, mais moi si j'étais allé là-bas, le gars en question il donne seulement les tisanes, mais c'est des tisanes seulement, c'est les feuilles qui prennent. Donc il se met à donner un support biblique
à ce qu'il était, ce qu'il est allé faire, qui sait qui est mauvais. Oh non, on t'a les scarifications. Mais quand tu lis dans Lévitique, on avait écrit Donc aujourd'hui, si même les gens ont réussi à nous détourner de notre véritable spiritualité, c'est parce que on a perdu le sens, ce que je dirais même le sens du terroir, et on a confondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit on prie, mais la prière ne suffit pas. Il faut aussi que j'ai la petite force, la pile là ne doit pas manquer. Donc on dit aujourd'hui à des gens qui vont te dire je compte et sur Dieu et sur les ancêtres. Bon, regardez la collusion. Imaginez-vous, hein, vous avez deux pieds et vous rentrez dans une pirogue, vous mettez dans deux pirogues un pied sur la pirogue de gauche, un autre pied sur la pirogue de droite. Les deux pirogues prennent deux directions inconnues. Dans quelle spécialité vous irez à l'hôpital? Traumatologie, chirurgie? Quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission, alors nous allons suivre l'élément que nous propose la régie avant d'y arriver. Bon, il y a aussi des miracles organisés. Il y a aussi des femmes hein, qui sont dans ces choses. Il y a des femmes qui sont dans ces choses. Je veux pratiquement prendre un petit témoignage ou un exemple. Vous êtes à l'église, on vous fait porter un sachet qui contient le sang à l'intérieur. Vous voyez, ce type de miracle aussi emmène les fidèles dans votre église. Vous avez un sachet qui contient le sang à l'intérieur, et quand vous venez à l'église, on vous dit, on vous passe d'abord par la table de la prophétie. Et dans sur cette table de la prophétie, on vous dit, ça fait pratiquement 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous ne voyez plus vos menstrues. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il n'y a pas une femme qui peut accepter que ça lui fait pratiquement 2 ans, 3 ans qu'elle ne règle plus. Donc la femme-là va chercher à vivre ce miracle. Et le pasteur dit quoi? Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. On va prier pour toi et tu verras tes règles aujourd'hui même. Bon, il faut comprendre que le peuple aime ces choses-là. Déjà, quand le pasteur dit aujourd'hui, c'est ton jour de miracle, alors tout le peuple de Dieu est éveillé pour voir, pour vivre ce miracle. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène juste sa main au rein de la femme. Et quand tu touches au rein, il pèse. Mais vous avez un sachet qui contient le sang à l'intérieur. Quand on pèse, le sang fait quoi? Ça coule. Et quand le sang coule, le peuple dit, c'est un miracle. La femme qui n'a pas réglé pendant 5 ans, 10 ans, 13 ans, aujourd'hui, elle a pu régler. Alors, ça aussi, c'est un miracle organisé. Il y a aussi ceux-là qui peuvent venir dans l'église pour dire ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, mon mari ne m'appelle plus, j'ai quitté mon foyer, ça fait 2 ans, 3 ans. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux que mon mari m'appelle. Il faut comprendre, Papa Charles, là aussi, il y a un miracle organisé. Bon, je ne dis pas que c'est tous ces pasteurs, je ne dis pas que c'est tous ces pasteurs qui sont dans ces choses. Il y a ceux-là qui sont des véritables pasteurs envoyés de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Mais il y a ceux-là qui sont en train d'embrouiller le peuple de Dieu. Alors, comment ça se passe? Il y a un petit qui a un téléphone dehors. Nous sommes dans l'église. Hors l'église, il y a un petit qui a un téléphone. Donc, il y a déjà les numéros. Le petit écoute tout ce qui se passe dans l'église. Il a tout ce programme. Donc, pendant que la femme dit, je veux que mon mari me reprend dans le foyer, je dois repartir dans mon foyer. Alors, on pose la question au peuple de Dieu. Est-ce que vous avez besoin que le monsieur de cette femme appelle son mari à l'immédiat même, maintenant même? Mais Papa Charles, qu'est-ce que vous croyez? Déjà, quand le pasteur pose la question, est-ce que vous voulez que le mari appelle la femme maintenant? Donc, c'est toute l'église qui se lève, qui dit, nous voulons que le monsieur appelle. Et le pasteur fait quoi? Le prophète fait quoi? Il demande le téléphone de la dame, de cette dite femme. Il demande le téléphone et il se met à prier. Seigneur, nous voulons que maintenant même que tu touches le monsieur là où il est, qu'il appelle. Bon, comprenez que dans l'église, personne ne connaît la voix de ce monsieur. Personne ne connaît la voix de ce monsieur. Donc, pendant qu'on dit à l'immédiat même que le monsieur appelle, et le monsieur qui est dehors, il fait quoi? Il appelle. Et quand il appelle, le pasteur montre le numéro à la dame. Le numéro, à qui appartient ce numéro? Mais puisque c'est un deal. Donc la femme, quand elle regarde, elle dit, c'est le numéro de mon mari. Alors, l'église est dans la joie.
Le passeur, il est fort. Le passeur, il a vraiment l'esprit de Dieu. À l'instant même qu'il a prié, et son Dieu a touché le cœur de ce monsieur et le monsieur a appelé. Et pendant que le monsieur appelle, on prend même le téléphone, on met au micro. Donc c'est toute l'église qui est en train d'écouter ce que le monsieur dit à sa femme. Le monsieur demande pardon à sa femme. Le monsieur veut que sa femme revienne dans le foyer. Donc un miracle comme ça, je crois papa Charles ne peut pas faire qu'une église sèche. Une église manque de fidèles. Donc c'est des miracles comme ça qui font que les fidèles viennent dans les églises. Alors quand j'ai essayé de regarder tout ça, je me suis dit, je préfère prendre ce qui m'appartient, c'est le don, ma musique. Donc j'ai quitté avec ce qui m'appartenait. Ce qui m'appartenait, c'était la musique. Donc j'ai quitté avec ma musique et je suis mieux, je suis à l'aise là où je suis. Mais cela ne m'empêche pas d'aller dans une église. Je vais dans une église, mais une église qui prie le Dieu véritable. Avant de clore l'émission de ce soir, nous allons donc faire un tour du côté de notre invité, lui demander son mot de la fin, papa Charles, par rapport à ce sujet. Quelles sont les véritables raisons qui nous conduisent à l'église? C'est là le problème. Le dimanche, les églises sont remplies. Là même, quand le gouvernement dit qu'il faut respecter les jauges de 50, on boude. On boude. Mais normalement, en fait, on n'avait pas besoin aussi, à un certain moment, que d'être comme ça. On pouvait aussi, au moment où la pandémie sévit, la COVID-19 sévit, dans nos maisons, avant même d'aller à l'église, on devait instituer des moments de prière, des moments d'intercession. Parce qu'il faudrait que nous autres qui prétendons parler au nom de Dieu, que nous puissions savoir que Dieu, nous ne l'avons pas seulement quand nous allons à l'église. Que Dieu, nous ne l'avons pas seulement parce qu'il y a des gens du lundi au samedi qui se complaisent dans les plaisirs de la vie, dans les désirs de la vie, dans les passions de la vie et se disent que c'est seulement le dimanche qui vont aller rencontrer Dieu. Non, le dimanche, c'est la consécration. C'est le jour où, après avoir servi Dieu pendant toute une semaine, on va rendre grâce, on va glorifier, on va louer Dieu. Pourquoi? Parce que dans la semaine, on a fait cet effort, malgré les occupations, de servir Dieu. C'est aussi le dimanche, on va pour dire à Dieu, à cette semaine, j'ai manqué à ceci, j'ai manqué à tel devoir, je manque au devoir d'amour, je n'ai pas fait ceci. Dieu, aie pitié de moi. Et à la fin, c'est quoi? C'est comme un véhicule qui est allé à la station, on a rempli le carburateur d'essence et tu reprends le dimanche avec la volonté de Dieu. Tu vas trouver des gens quand tu ne connaissais pas Dieu, il est à l'église tous les jours, il ne manque pas. Avant même qu'on ouvre le portail de l'église, il est déjà là, c'est lui qui connaît même à quelle heure on ouvre le portail de l'église. Dès qu'il a eu le boulot, tu lui demandes, mais on ne te voit plus à l'église. Ah, le travail, ah, mais vous savez notre chef là. Ah. Et voilà, c'est ce que nous les hommes nous sommes. Donc allons dans les églises pour véritablement faire la volonté de Dieu. Les véritables raisons de notre présence à l'Église. Les véritables raisons de notre présence à l'Église. C'était le thème de ce soir. Ce fut un plaisir de développer ce thème avec vous en direct. Merci d'avoir suivi le Canal 25 ce soir, dans l'espoir de vous retrouver très nombreux le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.